les trois points font du bien, ça c'est la première des choses. Au-delà de ça, je trouve qu'on est dans la continuité de ce qu'on a produit à l'extérieur depuis un petit moment, avec l'efficacité en plus, de la débauche d'énergie. L'élément contraire, le carton rouge à 10 minutes de la fin aurait pu nous faire en sorte de nous déstabiliser. On est resté soudés, on est resté cohérents pour accrocher ces points. Et c'est vrai que oui, ça fait du bien. Alors, au-delà de l'aspect purement athlétique, il y avait l'aspect psychologique en termes de fragilité. Je pense que l'adversité aussi, je pense que c'était un match de, pas dire de malade, mais ça y ressemblait quand même. Et je trouve que malgré tout, on a été, au fur et à mesure du match, c'est vrai, et au fur et à mesure de la première période, on a été de mieux en mieux et passé les 20 premières minutes, on a été capable d'avancer un peu plus sur le terrain, de gagner en confiance et de faire en sorte de s'octroyer cette situation juste avant la mi-temps. Voilà, c'était un scénario parfait pour pouvoir résister, pour pouvoir aller chercher la débauche d'énergie nécessaire pour obtenir les trois points. Bon, en tout cas, en début de match, on sentait malgré tout, sur l'aspect purement technique, des deux côtés, que voilà, ça manquait de justesse, mais pas forcément à cause de la qualité des joueurs, voilà, mais surtout liés aux situations. Voilà. Et je trouve qu'au fur et à mesure du match, on a réussi à prendre l'ascendant dans ce domaine. Et on a marqué au bon moment et on a su résister. On aurait, à mon sens, avec un peu plus de lucidité, justesse, de maturité aussi par séquence, pouvoir gérer un peu mieux certaines phases qui nous auraient permis de nous mettre à l'abri et de pas se faire peur. Mais dans l'ensemble, je vous ai trouvé malgré tout très solide, sans concéder grand-chose. Et c'est quelque chose d'important. Maintenant, on est heureux et on passe à la suite. Oui, bah, je pense qu'on a besoin de tout le groupe. Je pense qu'il est important de faire des choix. Alors, je pense que tout le monde a besoin de s'exprimer. On a joué lundi alors que l'adversaire avait joué vendredi. Donc sur un plan purement athlétique, c'était complexe. On aborde trois matchs en six jours. Donc forcément, on n'est pas épargné par les blessures. On n'a pas été épargné par les suspensions. Donc forcément, il y avait une gestion à avoir de ce côté-là. Et puis tout le monde a sa chance. Donc on l'offre et les joueurs la saisissent. J'avais une réflexion depuis un petit moment, voilà, pas forcément liée aux performances en elles-mêmes, mais à la situation et au besoin de voir autre chose, d'aller chercher des leviers différents. Et je pense qu'aujourd'hui, Nico a répondu présent. Maintenant, on a un match dans trois jours et on verra la suite. Mais content aussi que tout le groupe est concerné. Le bilan comptable, là, après un match où on va rejouer dans trois jours et un autre dans six jours, voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout la performance de l'équipe, d'aller chercher notre première victoire à l'extérieur et de vouloir, oui, forcément avancer. Donc, on était convaincus, persuadés que ce genre de performance, on était capable de le réaliser. Je vous le dis, aujourd'hui, il y a la lecture des résultats, il y a la lecture des contenus depuis le début de saison. Maintenant, le haut niveau, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, on a plutôt été cohérent dans ce domaine. Voilà, c'est un socle à garder pour continuer à avancer.